Amsterdam. Hey, hey, hey. Allez, c'est parti, on y va. Y aller, voilà, c'était trop drôle. Après, il y avait des trucs un petit peu beaucoup pornographiques, donc du coup, je les ai pas montrés, mais c'est quand même cool. Voilà, allez, musée suivant. Rouge là, il y a des prostituées en vitrine, mais elles sont pas jolies. The next day. À Amsterdam, quand t'es en vélo, et ben t'es pas un piéton. Cette phrase paraissait beaucoup plus intelligente dans ma tête. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup, bah, j'ai loué un vélo et pour me déplacer, ça va être beaucoup plus pratique. Allez, c'est parti. Il y a un endroit où tout le monde va pour dire « Hey, regardez, j'ai été à Amsterdam !» Alors moi, ce que je vais faire, touriste comme je suis, bah, je vais pas y aller. Fini les conneries, maintenant on attaque les choses sérieuses. Encore un musée. Oui, oui, allez, c'est parti, venez, on va... Eh, 17,50€ et pas de prix pour les étudiants. Bon, bah du coup, je vous propose des images du musée et puis on s'en va. En fait, pas besoin de faire le musée, hein. On a aussi les œuvres d'art ici. Et ben du coup, direction un autre musée. Non, je ne me laisserai pas abattre, je veux visiter un musée. De toute façon, dans ce pays, il y en a partout. Bon alors, ils sont tous riches dans ce pays, c'est toujours tout aussi cher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se contenter de regarder de l'extérieur. Hein. C'est joli quand même de l'extérieur.
red-bodied fucking wolf. Voilà, c'est bon. On me voit mieux, là ? Oh, putain, comment j'ai mal au cul. Enfin, je vous rassure, c'est à cause du vélo, hein, pas de la ville... voilà, quoi, on s'est compris, hein. Ah, ça vous dit bien. Inches later. One eternity later. Hey, so today is my last day to Amsterdam. Oh, wait, I'm sorry. Je parle en français, ça va un petit peu mieux. Oui, parce que du coup, à force de parler anglais, voilà, je suis devenu totalement bilingue. Ne soyez pas jaloux. Du coup, je vous disais, aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Amsterdam. Et là, je suis en direction pour aller prendre mon train. C'est magnifique. Prochaine destination, on verra. Mais il s'est passé vraiment un truc super génial, il faut que je vous raconte. Alors déjà, hier soir, je vous raconte pas, un coffee shop, etc. Voilà. Mais du coup, ce matin, j'ai eu un petit rendez-vous avec un studio de design qui s'appelle Moniker. Et c'était vraiment super génial. On a bien discuté, on a pris un café et c'était vraiment super cool. Merci à eux. Ils m'ont même donné des petits prints. Donc voilà, c'est super génial. J'aurai de la petite lecture dans le train. Allez, salut, on se retrouve dans la prochaine destination. One hour later. Bon alors, je suis bloqué à Cologne parce que du coup, il y a un problème avec le train pour aller à la prochaine destination. Mais le truc, c'est que du coup, j'ai vu une super belle cathédrale. Eh, ça vaut quand même le détour. Bon, c'est bien joli cette cathédrale, mais je vais quand même essayer de me rendre à ma destination parce que je suis quand même en retard pour l'apéro maintenant. Hein, ça, faut pas déconner non plus. Two hours later.